Une enquête sociologique sur la Suisse a récemment mis en lumière combien la société suisse dans son ensemble est imprégnée de valeurs masculines. Le service militaire tient une place importante dans la vie des citoyens. Il constitue pour les hommes un rite d'initiation par excellence. L'armée demeure encore aujourd'hui la maison des hommes. Chaque année, ils sont 25 000 à recevoir cet ordre de marche pour l'école de recrues. Boycott Jack! Présent! Vous savez où là? Je ne pas Delvetio Jean-Pierre! Dufaux Michel! Présent! Raymond Charles-Henri! Présent! Louis Dominique! Présent! Allenbach Jean-Claude! Ça donne l'impression qu'on change de pays. On ne connaît pas la vie dans laquelle on va entrer, mais on est sûr qu'on quitte l'autre, quand on voit ces barrières, ces barreaux et tout ça. On n'a jamais vu ça de tout près. On a des fois entendu des cris perçants à travers les murs. Alors là, on est muet. Je veux pas dire d'admiration, mais on n'a jamais vu ça. Faites le compte. Devant Thierry Gérard. Devant Thierry Gérard. Bonnie Denis. Présent. Rumelé Alain. Présent. Stalder André. Présent. Quand on entend son nom crier très fort, on est crispé, on se demande si on a fait une faute. Et puis, on est déjà appelé en plein soleil pour rejoindre notre groupe. On sent qu'on est divisé pour plus qu'on ait de contact avec des gens qu'on peut connaître. On est noyé dans la masse. On se rend vraiment compte qu'on n'est plus qu'un numéro. Rumler, Alain. Oui. Dessinateur en machine, Sainte-Croix. Oui. Stalder, André, instituteur, Yverdon. Oui. Oui. L'oncle, Jean-Claude. Coiffeur, Lausanne. Oui. Cours, Michel. Oui. Valise, Roman. À gauche, gauche. Déposez vos affaires, mettez-vous torse nu, ouvrez vos livres à la page 5. Déposez vos affaires sur ces lits de gauche. J'ai pas dit de s'asseoir, j'ai dit déposer les affaires sur les lits. S'asseoir, c'est un autre ordre. Déposez tous vos affaires là, à droite, à gauche. Ouvrez vos livres à la page 5, mettez-vous tous torse nu. On m'a toujours dit qu'aux militaires, les médecins étaient assez... Enfin, je veux pas dire des brutes, mais assez rudes. Enfin, c'est normal, puisqu'ils travaillent en série, presque aux pièces. J'avais un peu peur, mais tout s'est bien passé. C'est un petit contrôle d'usage. Ça va? Ça va, toi? Mal. Desserrez les ceintures, déjà. Passez vers le médecin, premier.
fais le contrôle du corps de votre livret de service des hernies. Vous demandera de tousser. Mettez la tête un peu sur le côté, pas tousser directement au visage du médecin, parce que ça, c'est lui qui est malade demain. Départ en colonne par un. Alors messieurs, je vous souhaite la bonne bienvenue à l'école de recrue d'infanterie 202. Faites partie aujourd'hui, dès aujourd'hui, de la compagnie 1. Je serai votre sergent-major de compagnie. Maintenant, je vais vous appeler. Je vous dirai un numéro, ce sera le numéro des chambres que vous devrez entrer. Burgui Alexandre. Chambre 35. Je vous laisse, Alain. Quelle chambre? 36. Chambre 35. Ouais, vous pouvez dormir, faites comme chez vous, profitez, c'est la première fois qu'on... Non, moi je viens tôt parce que... Quand on reçoit notre fusil, on n'a pas le temps de penser aux sentiments. Si on n'est pas décidé d'avance d'être pour ou contre. À 3h, toute la compagnie se retrouve dans la cour. On est tous comme une machine dans les habits,
dans une carapace verte. On est tout à fait dans la vie militaire. On devra s'habituer à exagérer tous les mouvements. Tout doit être sec, brusque. Lorsque j'annoncerai au premier lieutenant, et durant tout le temps où il va vous parler, vous devez vous tenir la tête haute, la main droite sur le poignet gauche, ainsi, devant, comme ça. Et on ne bouge plus. Formez maintenant une compagnie fusillée. Cela représente environ 100 à 120 hommes. Cette compagnie est divisée en 5 sections. 3 sections fusillées, la section 1, 2 et 3. Une section anti-char, la section 4. Et la section mitrailleur, la section 5. Ces sections sont formées avec les chambres. Vos lieutenants, vous les verrez au début de la semaine prochaine et éventuellement fin de cette semaine. Dès maintenant, vous vous annoncez recrue quadro. Et vous restez en position de haut. On va faire un exemple. Vous, venez ici et vous vous annoncez correctement au sergent-major. Sergent-major, recrue Gaudin. Prenez cette position. Sergent-major, recrue Gaudin. Oui, mais dorénavant, il faudra parler beaucoup plus fort, Gaudin. Bien, rentrez. Le même exemple pour un caporal. Caporal Bercier, vous venez ici. Présent, mon premier lieutenant. Vous? Pas besoin qu'on vous annonce, mais dès à présent, vous annoncerez. Mon caporal? Non. Caporal, recrue. Caporal, recrue, Stalder. Bien, rentrez. Et un mitrailleur, là, le premier. Annoncez-vous à moi. Mais maintenant, recrue Dutheil. Oui, encore une fois, en regardant dans les yeux. Premier lieutenant. Non, gardez-moi dans les yeux. Premier lieutenant, recrue Dutheil. Repos. Rentrez. Alors. Bien. L'annonce se fait d'une voix haute et claire. En fait, tous les rapports se font d'une voix haute et claire. Ça facilite les contacts. Yann, debout. Tout le monde a bien des lits. Yann, debout. Tout le monde a bien des lits. C'est quoi la tenue pour moi? La tenue pour moi? Tout le monde au pied des lits. Allô, pied des lits. Enroule leur couverture comme tu le suis. Ah, ouais. Oh, j'ai tout mis, j'ai pas dormi. Toutes les couvertures se roulent comme ceci. Ils ont dans deux tables. Quand ils ont roulé les couvertures, ils déparent au lavage. Extension. C'est qu'il y a de la place. Voilà. Vous mettez tout près, levez la tête, appuyez vos épaules, gonflez-vous d'air, bougez plus. Voilà.
J'ai l'impression que chacun avait assez peur de la piqûre. Enfin, peur de paraître avoir peur envers les autres. Parce qu'à l'armée, chacun essaye de paraître plus fort que les autres. Après la piqûre, on a eu le cinéma. C'est un film de démonstration sur le comportement du soldat. Voilà le soldat le bleu qui quitte sa fiancée Annette. Soldat le bleu, auriez-vous déjà oublié Annette ? Qu'est-ce que c'est ? Vous jouez à cache-cache ? Qui s'esquive pour ne pas saluer n'est pas encore un homme. Il sera un homme après. Vous êtes ici pour devenir des hommes, des soldats ? La main droite. Sergent-major, caporal pour Calter. 704, effectif 22, présent 15. 5 hommes à la visite, 2 hommes à l'infirmerie. Quand on salue quelqu'un, vous ne lui donnez pas la main non plus comme ça, une main molle. On salue quelqu'un, on le salue énergiquement. Halte ! Lancez le placement en marche, pas de course. J'ai dit qu'on ne sait pas tourner la tête uniquement comme ceci. On tourne la tête en levant le menton. Et on regarde dans les yeux le supérieur. C'est pas suffisant là. Suivant. Halte, annoncez le placement, marche. Si vous n'êtes pas un choc de pommes de terre, on n'y va pas comme ça. On arrive, une démarche énergique. Allez-y. Bon, halte, annoncez-vous. Caporal recrue Aldiman. Plus fort. Caporal recrue Aldiman. Bon. J'ai dit qu'on levait le menton. Vous êtes comme ça. On lève le menton, même si c'est exagéré. Départ, une fois. Pas trop vite. Mauvais. Mon premier lieutenant, recrue, Rumelet. Ça ne sert pas. Mon premier lieutenant, recrue, Rumelet. Vous êtes comme ça. Caporal recrue Court-Michel. Caporal recrue Bondon. Caporal recrue Valin-Gilbert. Appelez CFF Bussigny. Caporal recrue Miazza Daniel. Comptable Genève. Caporal recrue Pinichon-Jacques. Apprenti mécanicien Genève. C'est pas mal, mais plus sec. Caporal recrue Muller. Roland, dessinateur architecte. Montsurel. Sans cligner les yeux. À vos ordres, caporal. Caporal recrue Muller Roland, dessinateur architecte, Montsurel. C'est mou, comment c'est sec. Caporal recrue Muller Roland, dessinateur architecte. On recommence. Caporal recrue Muller Roland, dessinateur architecte, Montsurel. Tu me l'es. Oui, caporal. Présent, caporal, à vos ordres, caporal. Caporal, à vos ordres, caporal. Martinier, je pars, vous répétez la manière de tenir votre fusil. Pourquoi est-ce que vous mettez votre coude? Plus énergique, là. Le pouce. Il a un an, cet homme. La graisse, on la met à tous les souliers à la main. Donc, avant de masser, on enduit d'abord tous les souliers. Hein.
Je sèche et je masse pas. T'as vu ces godillots là-dessous? C'est vrai que t'en prends un sur le citron. T'as compris. C'est la seule chose qu'on nous a dit de faire avec amour, parce que c'est pour nos pieds. Qu'est-ce que c'est si? Vous visez, et puis vous voyez ce que vous donne la visée, n'est-ce pas? Symétrique, de tous les côtés. L'espace entre bord du job. Ça va tout seul. Geste. Le remède est le suivant. Il faut savoir poser son arme et son œil de façon à ce que j'ai toujours cette vision. Caporal, je pars. Oui. Caporal, recrue Raymond. Oui. Caporal, je pars. Oui. Bon, continuez. Oui. Avant. Caporal, je pars. Pour la charge. Un. Mi-pied. Guidon. Diop. Arme à terre. À terre. À terre. Couvreur. Détente d'hiver. Deux. Caporal, je trouve vraiment. Vous n'avez pas qu'il est là. Trois. Avant-garde, caporal. Retrait des cartouches. 1. Contrôle détente d'hiver. 2. Enlever le magasin. 3. Mouvement de charge. 4. Contrôle de l'index. 5. Désassuré. 6. Départ du coup. 7. Réassuré. 8. Pactez l'arme. Allez, ligne, tout de suite. Tout doit devenir automatique. Et puis, une fois qu'on a fini le travail, on ne pense plus à rien. Il faut s'étendre sur son lit et arrêter de penser. C'est une bonne période pour le cerveau, ça lui fait un repos complet, mais pas pour les muscles. Vous savez qu'il y a un gars qui est allé au cul parce qu'il n'a pas voulu marcher. Ouais, bon, le félicite parce qu'il faut le courage. Il faut du courage. Il a tort parce que... Je crois qu'il y a deux possibilités. Soit c'est un type qui a beaucoup de personnalité, le courage, ses opinions. Ou bien alors c'est une tête brûlée, c'est un, comme on dit vulgairement, un smeur de crème. Et puis il fait ça. Voilà, c'est le type qui arrive avec l'idée de semer la crème et puis qui fait ça, qui met son idée en pratique. Mais je crois pas que c'est le type. Si c'est un type qui a le courage, ses opinions, alors la chapeau, mais ça m'étonnerait. Vous pensez qu'il faut plus de courage pour pas en faire que pour en faire? Oui, beaucoup plus. Parce que toute sa vie, il risque d'être embêté. Après, sur son carnet, il n'aura pas son livret de service. Ouais, il aura un casier judiciaire. C'est pas encore la question. Mais je crois quand même, 4 mois de service militaire sont préférables à 4 mois de prison. Et il faut encore avoir le... Aller défendre ses opinions devant le tribunal et tout. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile que d'obéir aux ordres ici, à mon avis, en tout cas. Vous avez des cafards par moment? Non, pas encore. Ah oui, il faut courir et puis se trimballer d'un côté et de l'autre, se changer. Ouais. Et puis avec ce fusil, ce merdier de fusil, de casque, et puis tout ce brun, ce machin, là, la cravate, boutonnée, crochet, tout ça, puis ces caporaux qui gueulent à côté de nous, ça me fout à zéro en tout cas. Le plus pénible, c'est d'avoir un uniforme, je crois. Parce qu'on est tous la même chose, là. Il n'y a plus aucune personnalité, rien du tout. Toujours avoir tous les boutons crochés, là, on peut l'autre rien soir, avoir c'était... de spécial. C'était de sortie, on allait d'un côté, on se tournait d'un côté, gris vert. De l'autre côté, uniforme. De l'autre côté, on rentrait dans un café, tout est gris vert, partout. On a reçu un ordre qui m'a paru vraiment bizarre. On a dû mettre le pantalon d'exercice, une chemise, cravate, tunique, ceinturon, baïonnette, et rester pieds nus. Tout ça pour se coucher à plat ventre sur le lit et passer les pieds à travers les barreaux. Ceinture des pieds. Ça chatouille.
Je vais avoir l'armée suisse. Ils nous mettent du corps, pas ah. On met deux couches. On ne bouge plus. On garde dans l'air. Lieutenant, caporal Veuve, section Aubry, effectif 26, présent 23. Un homme à l'infirmerie, un homme à la cuisine, un sous-officier détaché au matériel. Repos. Je vais tenir trois vos sous-officiers. Sous-officier, pompe. Le sixième jour, c'est la première fois qu'on a vu le lieutenant. Messieurs, nous avons 4 mois à vivre ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Je voudrais une chose, c'est que le travail commandé soit exécuté. Si vous avez compris cela, il n'y a aucun problème. Sinon, rappelez-vous toujours que le chef ici, c'est moi, et vous êtes des recrues. Moi aussi j'ai été recrue, moi aussi j'ai obéi 4 mois. Vous êtes ici pour 4 mois, que ça vous dise ou que ça ne vous dise pas, c'est le même tarif. Vous êtes ici pour devenir des hommes, des soldats. C'est mon boulot et je le ferai. Qu'est-ce que vous avez à vous gratter, vous, là, au milieu? Je commande maintenant un rassemblement. C'est 10 mètres en arrière. Annoncez-vous. Oui, lieutenant, vous criez Louis. Vous êtes en position de repos, là. Serré, tendu. Vous exagérez le menton, vous devez être trop haut avec le menton. C'est là que ça donne l'impression que vous êtes une section. Et je dis 10 mètres en arrière. Alors ça se fait en deux temps. Il y a le temps de départ, comme un start, et tac! On prend l'arme par le canon, et puis par le manchon. Et puis c'est le sprint, ventre à terre, 10 mètres en arrière. Ou à ce moment-là, on s'aligne, on piétine, et puis on cherche de nouveau à s'aligner. Section brille. 10 mètres en arrière. Marche! On aligne tout de suite, on ne perd pas de temps. On regarde la main, la paume de la main contre le tenon de la baïonnette. On cherche le coude, la tête. Et puis on se tait. Section brille. Tous les regards vers moi. Pas pour le moment, maintenant vous regardez le copain, le casque du copain. C'est après que vous me regardez. Section brille. Pas. Remettre. Aligné. Quand je dis remettre en semaine d'aligner, c'est que c'est mauvais, c'est pas assez énergique. C'est paf! Ça doit faire un seul homme, même si vous êtes 26. Section brille. Pas! C'est déjà mieux. Encore une fois, cette fois, ça joue. Remettre! Allez, les têtes hautes, hein? Vous êtes des hommes au repos. Section brille. Pas! Maintenant, c'est ventre à terre, c'est paf! Section brille. À l'ancien emplacement. 10 mètres en avant. Annoncez-vous. Caporal, recrue Grianti. Ouais, caporal, il y a 2 ans. Allez. Mon lieutenant, recrue Grianti. Plus sec, mon lieutenant, recrue Grianti. Mon lieutenant, recrue Grianti. Section Aubry. 10 mètres en avant. Marche. Allez, 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 allez. Et puis on piétine, on s'aligne tout de suite. Allez, hop, les derniers chapates. Très avant le temps. Très avant le temps. Mon lieutenant, recrue Rumler. Du sec. Mon lieutenant, recrue Rumler. Section Brie. Attention, regard, passez-y. Regardez là-bas. Grolimund. Très avant le temps. Très avant le temps. Oui. Section Brie. Oh. Dès la tête. Mon lieutenant, recrue Majeur. Ramettez vos casques comme il faut et puis serrez vos jugulaires. Il y en a, c'est des vrais pots de chambre. Un rassemblement en colonne par 4.
Alors, il y a deux choses, il y a l'alignement et puis le mettre devant. C'est la même chose. C'est paf, c'est le pétard et puis on bouscule le copain s'il est devant soi, hein. Faut pas aller chercher des excuses et puis demander de passer le premier. Section Aubry, en colonne par 4. Rassemblement, allez! Allez, tout de suite, on cherche le pétine. Le maître, on l'a dans l'œil, hein. C'est les maîtres américains. Le premier rang regarde devant lui, les autres rangs regardent sur leur droite. Le coup des droits. Section Aubry. 20 mètres sur votre gauche, en colonne par 4. Rassemblement! Allez! Allez, allez, on court, on court! Ça, de ce côté! Aligné! Tout de suite, en piétine! On ne discute pas, même si le copain vous a poussé, ça n'a pas la même importance. Arrive à chacun.